nous allons méditer avec un petit voyage sonore. On s'installe confortablement. On ferme les yeux tranquillement, un petit peu entrouvert. Le temps de faire une petite pause avec soi-même. On dépose la langue sur le palais mou. Gonfler le ventre et dégonfler le ventre. Tous les sons que vous allez entendre vont vous guider pour faire bouger votre corps avec des micro-mouvements qui vont régénérer votre corps. Le bain sonore est un voyage avec vous-même pour votre mieux-être. Vous allez entendre les bols tibétains, le bol de cristal, la cloche tibétaine, le hanpan, les koshi, les carillons japonais, le triangle de cristal, les tambours, les gongs, le hanpan, la shruti box, l'harmonium indien. Les bracelets coquillages. Mettez aujourd'hui, c'est le matin, hein, donc on a un petit peu le chat, on tousse un petit peu, mais tout va bien, on prend le temps. Accompagnez votre temps de méditation avec votre plus beau sourire intérieur. Souriez à vos organes, souriez à vos fascias, souriez à vos os, à votre peau, à toute votre aura, pour bien accueillir ce bon moment. Écoutez l'air, le vent, la petite brise de vent qui vous apaise.
ou bien même la tempête. S'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de feu. Le feu est vivant. La flamme du feu qui bouge et qui danse vers le haut. D'étirer tous les muscles de votre visage et d'étendre votre voix, vos cordes vocales. Vous avez entendu le bol de cristal. On en parlait tout à l'heure. Le cristal, c'est bien de l'eau. Pour mieux écouter le koshi, kari en japonais, de l'eau.
sur la terre. Parmi ces fleurs, parmi les quatre mers, les cinq continents, la terre, la grande terre, Pachamama. Accrochez-vous au son des bols tibétains, des sept métaux. Ils construisent votre corps. Cette méditation sonore a bien le but de vous accorder les oreilles, de mieux écouter votre être en lui-même. Les instruments sont ronds. Écoutez la rondeur du son qui peut être aiguë ou basse ou médium. Visualisez tous les cercles dans votre bassin. Trois anneaux, l'anneau plat, l'anneau vertical, l'anneau horizontal
diagonale. Vous guide, vous accompagne vers l'infini de ce petit 8 que vous construisez dans votre corps, dans toutes les articulations. Dans la sphère de cristal de votre cerveau. Et maintenant, concentrez-vous sur le centre, la glande pinéale. À 7 cm derrière le troisième œil. La glande pinéale reçoit toute l'énergie de l'étoile du Nord en passant par la fontanelle, le Baihui, le sommet de la tête. C'est la glande de jeunesse, la glande épinéale. Maintenant, vous entendez un peu mieux l'aigu et de plus en plus la basse. Notre voix a besoin des deux extrêmes pour trouver le centre, le juste milieu, votre cheminement. Allez chercher maintenant l'énergie des reins, l'eau, régénérer l'eau. Puis après, vous pourrez faire le pont entre la glande pinéale, les reins et le cœur.
c'est le son qui nourrit votre corps. Plus vous allez écouter, plus votre corps va être en contact avec vous-même. Écran